Bonjour, comme vous le savez depuis peu, YouTube permet de flouter les visages ou certaines parties d'un document vidéo déjà mis en ligne. Donc ce tutoriel ici va vous montrer comment procéder exactement. Rendez-vous dans un premier temps sur votre chaîne YouTube. Et dans le gestionnaire de vidéos. Ici, j'ai choisi de modifier une des vidéos que j'ai mises en ligne qui était consacrée à l'installation d'un module complémentaire sur Firefox. Donc, je clique dessus. Et là, je peux la visualiser si je le souhaite. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de venir sur ce bouton retouche. Au niveau de la retouche, on peut faire des retouches rapides, stabilisées, etc. Mettre des filtres, si ça nous intéresse. Et depuis peu, on a vu l'apparition du bouton effet de floutage. Soit vous laissez YouTube détecter lui-même les visages qui sont présents dans une vidéo. Bon, là ici, ça ne va pas nous apporter grand-chose dans la mesure où j'ai pas de visage sur cette vidéo. Ou alors de mettre un floutage personnalisé. Donc c'est ce que je vais faire ici, car si vous regardez bien tout en bas, on voit le dock donc de mon ordinateur, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop. D'ailleurs, maintenant, à chaque fois que je réalise un tuto, je veille à le masquer de façon à ne pas encombrer trop mon écran. Donc, je clique ici sur Modifier. Et là, je vais définir la zone à flouter. Alors, la difficulté ici, c'est que mon dock est tout en bas. Donc, je vais sélectionner un petit peu en haut. Je vais faire un cadre. Et ensuite, ce cadre, je vais le descendre. Hop, pour qu'ils viennent masquer mon dock. Là ici, Google est en train de, enfin YouTube est en train de calculer une certaine durée. Moi, je veux que ça s'applique à toutes mes vidéos, donc sur cette timeline, je l'étends jusqu'à la fin et je lui dis OK. Là, il va travailler un petit peu pour pouvoir éditer toute la vidéo et je vais pouvoir avoir un aperçu original, donc avant, et l'aperçu après. On voit bien que mon dock est masqué. Je peux faire bouger un petit peu ce curseur si j'en ai envie, et là je peux regarder. Et vous voyez ici que mon dock est entièrement masqué. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer. Et la vidéo sera mise en ligne avec cet effet flouté. Vous voyez ici, modification en cours. Voilà, vous savez maintenant flouter une partie d'un document grâce à YouTube.